Les travaux de construction du pont Abdoul Diallo de Kolda bientôt achevés sur place. Le coulage a été effectué ce jeudi. Les responsables annoncent la fin des travaux qui est prévue pour le 31 décembre prochain. Une nouvelle très appréciée par les populations kaltongay. Ils sont au dernier réglage. Ingénieurs et ouvriers sont à l'œuvre pour cette ultime étape, le coulage du pont. La dalle, on peut dire que c'est une surface de roulement, hein, c'est là où les véhicules vont rouler. Donc c'est la phase finale du pont. Comme vous le savez, nous avons trois étapes pour faire ce pont. L'étape des fondations, l'étape des semelles, l'étape des semelles qui vont avec les pieds droits, et ensuite c'est la dalle. Comme vous le constatez, le ferrage est terminé, tout le ferrage est presque terminé. Et dans quelques heures, nous allons démarrer le coulage de la dalle, qui va prendre un peu de temps, qui va prendre au moins 15 à 18 heures de travail continu. La dalle et les finitions constituent la touche finale. Les responsables donnent des assurances. Ce joyau sera réceptionné d'ici la fin de l'année. Le planning qui a été fourni pour ces travaux donc, est calé au 31 décembre 2014. Donc en fin d'année, normalement, nous aurons le pont Abdoul Diallo de Kolda déjà réalisé. Une nouvelle qui ravit les populations de Kolda. Le fonctionnement du nouveau pont sera un atout non négligeable pour l'économie de la ville. Nous sommes vraiment hâte de voir le nouveau pont qui est là depuis longtemps en construction, que ça soit fini. C'est une très bonne initiative, c'est très bien de livrer le pont d'ici décembre parce que ça déjà ça permet de réglementer la circulation. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis ce pont-là, il date de 1900, je ne sais pas quoi. Donc, il était temps vraiment de rénover ce pont, de le changer quand même, au moins pour réglementer la circulation coldoise. Pour les élèves, je suis contente puisque ce pont peut nous aider dans la circulation. Nous qui travaillons de l'autre côté, on est conscients de l'apport que cela peut avoir sur nos affaires. Faisant partie des projets du MCA Sénégal, ce pont est l'une des réalisations dans cette zone. Sur les autres chantiers, les travaux sont en cours. Tout est mis en œuvre pour le respect des délais.